Bonsoir humain, je suis Superman 64 et je viens te défier. Attends, mais stop là. Attends, t'as cru que t'étais où là en 2009 dans une vieille vidéo de JDG? Non, mais je... Eh, ça va, retourne à ta place là et laisse-moi finir de lire. C'est bon quoi. Tcho. Ah, Titeuf, il a bercé mon enfance, un personnage créé en 1993 par Zep. Il y aura donc toute une série de bandes dessinées, voilà. Moi, je les ai toutes. Je les ai toutes. Est-ce que vous connaissez Titeuf? Moi, oui, voilà. Eh bien alors, qu'est-ce qui vous arrive, là? Oui, donc, évidemment, Titeuf aura bercé mon enfance. J'ai d'ailleurs deux jeux, enfin, j'en ai plus qu'un, donc, de Titeuf. Sur Nintendo DS, l'autre, je l'ai vendu. Hein, il s'agissait de Titeuf Mission Nadia. C'est pas loin de la bouse, hein, c'est pas terrible, terrible. Alors le jeu que j'ai gardé, il s'agit du Monde de Titeuf, sorti en 2007 sur Nintendo DS. Bon, il est sympathique, ça tourne un peu en boucle, hein, et puis il y a un gros message écolo, c'est sympathique. Mais voilà, ça s'arrête là, je te garde. Hein, voilà. Alors avant de revenir aux jeux vidéo, évidemment il y a eu plein d'autres adaptations, dont notamment en série animée, voilà, ça aussi, hein, ça, c'est toute mon enfance. Et il y a eu également un film en 2011, d'animation évidemment, hein, c'est pas pour tout de suite qu'on verra un film en prise réelle, hein, de Titeuf, ce serait un peu bizarre. Et parmi les nombreuses adaptations, il y a évidemment les jeux vidéo. Bah oui, hein, surtout que Titeuf, ben... Le premier jeu à sortir, c'est Titeuf, tout simplement, sur Game Boy Color en 2001. D'ailleurs, voici un petit tuto que je vous ai fait pour vous raconter les secrets de fabrication de ce premier jeu Titeuf. Prenez Mario Party. Enlevez le fun et l'univers coloré. Remplacez les personnages de Mario par ceux de Titeuf. Prenez une Game Boy Color. Rajoutez l'ingrédient secret qui rendra forcément le jeu infernal, et vous obtenez Titeuf le jeu en 2001. Oh, c'est pas possible ce genre d'horreur de la vie. Ah, Infogrames, cela faisait bien longtemps qu'on ne les avait pas laissés massacrer la bande dessinée francophone. Bon, soyons honnêtes, il n'est pas pourri, il a même de l'ambition. Bon, alors, il reste... un peu basique, voilà, il a même un certain niveau de difficulté sur certaines épreuves, mais sinon, comme tous les jeux Infogrames de ce genre, il respecte globalement l'univers de la bande dessinée. Mais c'est le deuxième jeu Titeuf qui nous intéresse ici aujourd'hui, sorti sur Game Boy Advance en 2003. Allez, Infogrames évidemment. Titeuf The Gang Machine, développé donc par Infogrames et sorti en 2002. Ok, pour être un méga terminator du gag, le truc c'est de peau avoir froid aux yeux. Bien joué Titeuf, hein. C'est du grand niveau que t'es en train de faire. Restez cool et courir vite. Ouais, c'est sûr que il va falloir que t'aies de l'endurance là. Allez, c'est parti. Mode challenge, crash test, d'accord, mode passe. Et options. Bon, c'est bien, il y a des mots de passe, donc ça c'est pas mal, hein, pour permettre d'avancer le plus loin possible dans le jeu. Allez, défi numéro 1, piège le concierge et Marco fait 3 points, n'oublie pas de sortir. Ok, oui, en fait, c'est un enchaînement de défis, hein, ce jeu, vous l'aurez compris. Alors, les points sur la tête des personnages te donnent des indications. Quand c'est bleu, c'est bon, tu peux faire ce que tu veux, ils ne te voient pas. Ok. Ça va. Merci Hugo. Alors, ça c'est notre ami Titeuf. Qu'est-ce qu'il est beau d'ailleurs, hein. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Ok. Il a l'air bien là comme ça Titeuf, hein. Faut que j'entends. Ok, alors on va ramasser ça. Voilà, j'ai ramassé une voiture. Alors quand il est bleu, c'est qu'il me voit pas. Donc le but, c'est... Voilà, je l'ai fait tomber. Merde, c'est quoi le bouton tomber? C'est pas pratique de jouer sur un émulateur, franchement. Je devrais vraiment me mettre à jouer sur les vraies consoles. Alors, après pour capturer quand même la Game Boy Advance. Alors on va le refaire tomber. Attendez, mais je crois qu'il y a aussi Marco à faire tomber. Taché. D'accord, il me dit de sortir. Comment on sort? Ici. Là j'appuie sur ça. Ok, donc là il me résume les trucs du défi. Ok, c'est bien.
Défi réussi, 71 secondes sur 90, c'est 3 coupes sur 15, ou 25. C'est difficilement lisible. Mot de passe, une crotte, une éponge, une peau de banane, une canette ou une dynamite. Over débile. T'es pas très sympa, Manu. Bon allez, défi numéro 2, fais 8 points sur la maîtresse. Chiche, bah ouais je suis chiche, attendez. Je suis né pour ça. Oh putain la maîtresse. Ok, j'ai ramassé quoi, des billes? Tiens, dérape la vieille. Alors c'est quel bouton le bouton B? C'est lequel? Je sais pas lequel c'est. Hein. Bon c'est pas grave. Faut que je fasse 8 points, elle m'a dit. Yeah, j'ai gagné de la vie. Alors faut pas faire de bruit. J'aime bien les animations de Titeuf, c'est pas mal. Ah, là elle est en ligne droite. Merde. Oh, elle s'est pris le bureau la vieille. Allez, en cours. Ah, j'ai compris, j'ai trouvé le bouton B, c'est bon. Ok. Allez, on doit faire tomber encore une fois. Merde, elle me voit là. Genre, elle fait des tours comme ça, je sais pas ce qu'elle fait. Allez hop. Ah, défi réussi, même si j'ai explosé le temps, mais bon, c'est pas grave. J'ai quand même reçu le défi. On a un nouveau mot de passe. En fait, à chaque défi, on a un mot de passe, c'est assez intéressant. Qui c'est qui m'embrasse, là? Je sais pas qui. Nas du slip. Bah, c'est vraiment pas sympa, ça, mon ami. Vous sentez le jeu qui va faire tout le temps la même chose? Bah, moi, je le sens, là. Alors, fais combien? 2 points? Je sais pas. Ramasse 9 fleurs pour Nadia et trouve la sortie. Pourquoi 9 fleurs? Vous sentez-vous aussi que la musique va revenir souvent? C'est la même là, c'est impressionnant. Bon, en tout cas, c'est pratique, on a déjà une fleur ici. Allez, on va en faire tomber un. Titeuf, en fait, c'est le chieur de service. Il fait chier tout le monde, il fait tomber tout le monde, c'est magnifique. Et 4 fleurs pour Nadia, 4. C'est un putain de labyrinthe cette école, quoi. Oh putain, il est énervé. Voilà, j'ai trouvé le moyen de courir. J'aimais l'animation de Titeuf qui essaie de fuir. Alors, il y en a des bancs. Ça, c'est un vrai dédale le machin. Ah, là. La 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 la. Le mec est en train de craquer. Alors, je crois qu'il faut qu'on fasse 2 points, c'est ce qu'il a dit. Alors désolé Manu, mais... Oh non, le pauvre. J'adore Manu en plus. Ah, court. Ah, ça va, il s'en fout. En fait, Manu, il s'énerve 2 secondes et il s'arrête direct, quoi. Ok, on a 7, 8, 8 fleurs déjà. Regardez, la 9ème elle est là. Ok. Moi je vous dis qu'il faut ressortir. On va continuer. Je sais pas où est la. Voilà. Ah, 128 secondes au lieu de 90. Ouais, il va encore me dire que j'ai fait de la merde. 50%, over débile. T'as jamais un mot gentil. Je le remarque, t'as jamais un mot gentil pour moi. C'est vraiment pas sympa. Ouais, je crois qu'on vient de cerner le plus gros défaut de ce jeu. En même pas 10 minutes de jeu, c'est toujours la même chose. C'est du répétitif. Voilà le concierge, fais le courir sur 75 mètres, très exactement, sans te faire baffer puis sort. C'est pas bien de frapper les enfants comme ça, surtout quand on est concierge ou la maîtresse tout à l'heure, elle m'a frappé. Enfin, ça se fait pas, hein. Faut leur dire. Ouais, j'ai même pas suivi les conseils d'Hugo. Ouais. Alors là, on a une peau de banane. Donc il faut qu'ils me suivent sur 75 mètres. Allez, cours. Cours, Titeuf. Voilà. Ah, putain. Il est juste à côté. C'est pas sympa de frapper les gamins comme ça, même s'ils vous font tomber. C'est vrai que Titeuf, c'est vraiment une vraie plaie, quoi, dans l'école. Le mec, il fait chier tout le monde. Alors, il est où, le concierge? Elle est par là. Pratique cette indication. Coucou. Alors,
Faut qu'on réveille tout le monde. Ok, oh putain. Putain, le problème c'est que je me prends des obstacles. Allez, 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 allez. Non, putain, 36 mètres. Bon, il va falloir que je trouve de la vie puisque Titeuf il devient rouge. Hein. Bonsoir, je cherche de la vie et de quoi faire tomber le concierge. Bon, j'ai trouvé de quoi faire tomber le concierge. J'ai pas trouvé de la vie. C'est pas grave. On va faire tomber le concierge, ce sera déjà très bien. On fait des bêtises quand même. Hein. Voilà. Le pauvre. Allez, cours-moi. Cours après moi. Ah, mais... Il vient de tuer Titeuf. Il tue Titeuf. Quelle honte. Des filles ratées. Ils sont pas cool aujourd'hui. Zéro. Ouais, j'ai fait 36 mètres. J'ai fait la moitié, moi. Ah, faut... Bon. Allez, c'est reparti. Bon, on va faire ça en 2 secondes. Ça m'a saoulé, cette histoire. Mais laissez-moi. Je veux partir, mais il me laisse pas de temps. Ok. Il reste des pots de banane. Hein. Allez, là. Voilà. On va tourner autour de l'école. Il faut pas... Mais non, je... Mais pourquoi tu restes bloqué contre une poubelle, abruti? Infogrames, ils ont le don de nous faire détester les héros de notre enfance, quand même. Hein. C'est très fort à eux. Coucou, t'es où? Salut, je t'emmerde. Hein. Vraiment, c'est une grande passion dans ma vie. Allez, viens. Il est où? C'est un piège. Ah, mais... Je suis obligé d'aller chercher. Le problème, c'est que le temps que je parte, ben, il me rattrape. Tiens, bouffe. Ça fait du bien, hein. Ouais, on se casse. Cette fois... Je vais dire, cette fois, on se prend pas la poubelle, mais je me suis pris le coin de l'école, le mur, je sais pas, je me suis pris un truc, c'est génial. Bon, on va chercher la peau de banane, on va aller le faire tomber. J'adore ma vie. On va rester dans la cour, hein. Oh! Allez, reste pas bloqué, Titeuf, là. C'est du stress, quand même, hein. Allez, 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 allez. Oui, ça tient, allez, allez, allez. C'est la merde, c'est la merde. Allez, j'ai fait courir, c'est bon, il faut que je sorte. Yes! J'ai fait courir 88 mètres. 88 mètres, le mec, grâce à moi, il a fait un peu de sport. Et franchement, il devrait être content. Hein. Oh, 93%, allez. C'est bon, ça. Décalqué du slip. Je vais prendre ça pour un compliment. De ta part, Manu, je prends ça pour un compliment. Ah, putain. Bon, je pense qu'on a fait le tour de ce jeu. Il est amusant, hein, mais bon. Combine tes objets dans l'inventaire, fais 32 points en 120 secondes, puis sort. Il demande de plus en plus de trucs. Hein. Donc, une crotte. Putain, il m'a frappé, t'es censé être mon meilleur pote. D'accord, je t'ai mis une crotte devant, mais... Qu'est-ce que j'ai fait? Alors. On va le faire tomber. Mais je savais pas qu'il était à ma poursuite. Alors, en fait, si, il y avait un moyen de le voir, mais j'ai pas fait gaffe. Normalement, le rond bleu devient rouge quand il s'énerve, mais j'ai pas fait gaffe. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Dans l'inventaire, quoi? Ah oui, l'inventaire! Ok. Ouais, je me mets proche de l'écran pour voir ce qu'il y a dans l'inventaire. La fenêtre de l'écran est toute petite. Ah oui! J'ai combiné les deux, d'accord. C'est excellent. Et, ah! Moi, je me suis encore fait frapper. D'accord. En fait, oui, il fallait combiner les deux pour faire quelque chose, machin. Ok, donc là, j'ai combiné le journal et le caca. Bien sûr, et ça a donné ça. Bon, écoutez, franchement, ce jeu, c'est la même chose. C'est tout le temps la même. C'est la musique, c'est la même. Alors là, ça a changé. Ils m'ont fait mentir, ça a changé sur ce niveau. Mais sinon, c'est vrai que c'est pas très... c'est pas très passionnant. Ils tentent des petits changements, combinent les objets, mais bon, après, voilà. Je regrette de ne pas avoir 5 ans pour faire ce jeu, voilà. Comme la plupart des jeux qu'on teste, hein, il faudrait avoir 5 ans pour qu'il soit fun. Voilà. Fatigué. Oh,
Oh, chaud, c'est vraiment trop injuste, quoi. Franchement, ce jeu, c'est fatigant, voilà. C'est fatigant, c'est bon, hein. Ça arrête là, hein. Parce que oui, la majorité des jeux Titeuf sont nuls ou simplement chiants ou mal faits ou mal pensés, bref. C'est du gâchis, c'est vraiment dommage parce qu'il y aurait vraiment trop à faire un très bon jeu avec Titeuf, comme ça a été le cas précédemment. En tout cas, je fais n'importe quoi. En tout cas, merci de m'avoir suivi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, oui, partagez-la partout, les réseaux, oui, allez-y. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait avec un max de vidéos de rétro gaming. Voilà, le top du top, c'est ici. Allez-y, abonnez-vous et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Hein. Bon, évidemment, avant de se quitter, la petite blague. C'est Titeuf qui va voir Manu. Hey, tcho Manu, tu veux un chewing-gum? Ah ouais, merci Titeuf. C'est à quoi? C'est à la fraîche, il y avait écrit sur le paquet. Ouais, mais c'est bon, mais... tu trouves pas que c'est un peu... je sais pas, c'est un peu plastique? Ouais, t'as raison, c'est bizarre. Mais je connaissais pas cette marque Durex. Ah, parce que c'est Titeuf qui... Eh ouais, il mâche des capotes. Il croyait que c'était des chewing-gums. Ouais, mais c'est pas moi qui ai créé la blague, ça va, elle existe déjà. Bon, il faut pas m'en vouloir non plus. Putain, elle était vraiment nulle cette blague. Oh, ta gueule. Ça va, quand c'est pas mon double, c'est les jeux qui me font chier. C'est bon.